Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des quêtes semaine 4, saison 7 les gars de Fortnite. Aujourd'hui nous allons devoir chasser un animal infecté messieurs dames. Alors un animal infecté sur Fortnite, c'est un animal qui a un parasite sur la tête et parfois vous l'entendez à distance puisque par exemple un loup qui a un parasite va avoir une espèce de aboiement différent et pareil les poules et tout ça, on va les entendre un petit peu différemment. Surtout la seule différence qui est la plus flagrante, c'est que vous allez voir qu'ils ont un parasite un peu couleur violette sur la tête et du coup vous allez les repérer à distance. Vous allez avoir les gars sur la carte donc différents endroits où vous êtes susceptibles de les croiser. Moi souvent je les trouve près de Craggy, vous les avez souvent près de Weeping Woods et c'est là où nous nous trouvons actuellement sur la carte. Et vous allez juste à ce moment là devoir, lorsque vous approchez de ces animaux, tuer donc ces animaux qui sont infectés. Alors le problème c'est que je sais pas si ça fonctionne quand vous tuez le parasite qui est sur la tête de l'animal avant de tuer l'animal, puisque sans faire exprès, si vous tapez au mauvais endroit, vous allez tuer le parasite avant de tuer l'animal. Donc faites attention, c'est peut-être pour ça que ça marchera pas pour certains, à vérifier si ça fonctionne. Mais en tout cas rien de très compliqué, vous les verrez en plus si vous avez les pas activés comme moi qui sont de couleur violette sur la carte. Et voilà à quoi ça ressemble les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce défi, vous avez juste à tuer l'animal, et voilà, tout simplement, j'espère en tout cas que vous allez lâcher un petit pouce en l'air, vous allez vous abonner, mettre le code créa Telmo-Lopez, je vous donne rendez-vous tous les jours 21h minuit sur ma chaîne, n'oubliez pas de rester zen, et ciao !